Clap, nickel. Tu veux faire ton intro? Quelle intro tu veux faire? Moi, si tu veux, j'avais une idée de nouvelle intro. T'as une idée de nouvelle intro? Ouais, franchement, ce serait trop marrant. Ouais. Sur la connerie arrivée. C'est quoi ton idée de nouvelle intro? Mais j'ai 2 heures! Ouais, c'est vrai ça! Ouais, c'est pas une mauvaise intro, Sofiane! Comme le rappelle Sofiane, à chaque fois, j'ai 2 ans, n'oubliez pas, vous retrouverez bien sûr Scrap Mécanique dessus. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur Scrap Mécanique, les mecs! Je sais que ça fait un petit moment que vous me demandez où est-ce qu'on en est sur la suite de Scrap Mécanique. Aujourd'hui, on a tout recommencé. Et Luffy, il vient de nous annoncer à l'instant. Luffy, tu prends. C'est toi qui prends tout sur toi. Il vient de nous annoncer qu'il allait nous faire une base volante. Une base volante, les mecs. Après, on n'a pas dit la taille, hein. Au pire, à la rigueur, moi je fais un carré de 2 par 2 avec un réacteur et je mets non, hey, on a dit une base volante, on n'a pas dit des toilettes volantes, Luffy. Voilà. Wow, donc, what the fuck? Inch'Allah, comme on dit, peut-être on va avoir une base volante. Donc, bien sûr, jouer avec Luffy, vous vous doutez bien que ça aurait été trop facile. Je me suis rajouté donc un handicap dans l'équipe. Hein, on a pris Sofiane. On a un handicap, du coup. Pour rajouter de la difficulté. Ça, c'est en fait, c'est un peu comme si on jouait en mode nightmare, hein, tu vois, voilà, en mode cauchemar. Ah, j'ai brûlé, je brûle. Alors, attends, tu me crois, je me rappelle plus, Sofiane. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire au début. Bah, moi, j'ai jamais fait le début, donc je veux savoir. Mais arrête, bien sûr, t'as déjà fait le début. Luffy, t'es non, où? Non, j'ai jamais fait. La dernière fois que j'ai fait le début, j'étais arrivé dans une partie où t'avais déjà commencé. Ouais, viens, mon fils. Alors, par contre, Luffy, on se relaie, hein. Je veux dire, faut donner le biberon à Sofiane tous les quarts d'heure, hein, faut l'allaiter. Et ouais, voilà. Faut assumer, hein, c'est toi qui as voulu. Ouais, non, mais on se rend. Ah, ouais, Scrap Mécanique, c'est joli, là. Quand t'as... C'est ça, Scrap Mécanique, quand t'as un PC de merde. C'est alors, bien, ça. Oh. Alors, c'est ça, Scrap Mécanique. Oui, aujourd'hui, Sofiane redécouvre Scrap Mécanique avec sa machine de guerre, bien entendu. Ah, ouais. Quoi, ça? Des sauts. Prends Sofiane, c'est prends. C'est à moi ça. Donc Luffy, on se relaie pour donner le sein à Sofiane. Hein. Je suis désolé, c'est pas forcément qu'un mois de l'allaiter. Donc chacun ouais, donc son tour. Je suis obligé de dire oui quoi. Voilà, chacun son tour, on se relaie pour lui donner le sein. Il y a plus de saut? Il y en a que deux. Comment tu fais déjà pour tu sais? Ah voilà, c'est. Ok, d'accord. Tiens, de l'eau. Voilà. Mais non, mais faut aller éteindre le feu, mon fils là. Allez. Allez, regardez, c'est commence déjà avec Sofiane. On va jamais y arriver. Il est déjà dans la pâte au joueur. Lui, il est parti faire des châteaux de sable. Ouais, tu prends la batterie, toi, la fille? Ah oui, elle est là-bas, la batterie, c'est vrai. Tu vois pas, c'est des vraies musiques de gamer, Scrap Mécanique? Tiens, ouais, c'est éclair, mon gars. Imagine. Tu vois, c'est mes musiques préférées. Moi, j'ai tout en train de me coucher, j'écoute un peu de Scrap Mécanique. Toujours. Je m'endors direct, toujours. Toujours, je mets la playlist de Scrap Mécanique. De Scrap Mécanique avant d'aller me coucher. Franchement, je dors bien, après, ouais, toi, je me réveille plus. Bah, moi aussi, c'est mon rituel, gros. C'est bizarre qu'on a le même. Ouais, c'est bizarre qu'on a le même. Toi aussi, tu dors tout nu après? Ah ben bah, toujours, toujours. Ah bah. Ouais, ouais. Il y a un saut là, Jolat, si tu veux. Ah ouais, bien joué. Jolat. Voilà. Ah ouais, c'est clic droit pour les prendre, j'avais déjà oublié. Tiens, Luffy, je te laisse tout loot et après je te laisse construire. Je te laisse tout loot. Alors qu'il a chopé ce qu'il y a dans le gros top. Attends, putain, ouais, il n'y a plus rien, vous êtes vraiment des rapaces, les mecs. Ah, c'est qu'il y a une connexion. Non, mais il n'y avait rien de base ici. Ah, prends déjà de la ferraille, les mecs. Hein. Je raffine déjà, je commence. Hein. J'ai trouvé 10 jerrycans. Mais non. Ça sert sérieux, à quoi Sofiane? On va pouvoir voler. Je suis mort. Mais vous êtes en haut, les mecs? Mais non. Non, Sofiane, il est tombé. Il m'a poussé. Mais non. Je te jure, mon gars, sûr, il m'a poussé. Mais non. Eh, Luffy, arrête. Par contre, gros, non, commence pas. Non. Faut pas l'encourager, arrête. Il y a quoi tout en haut, du coup? Il y a un bâtiment là-bas, les mecs. Ah bah, c'est le garage. Oh putain. Non, les mecs. Oh, je suis pas mort. Il est mort. Non. Il est tombé derrière toi, en plus. J'ai pas perdu de vie. Mon gars, je suis fatigué. Ah mais non, c'est vrai, j'avais oublié cette mécanique de si c'est quelqu'un qui te pousse, un autre joueur, tu meurs pas. Par contre, si tu tombes par toi-même. Ah bon? C'est pour ça que Bouyakam, il était là en fait, parce que c'est moi qui l'ai poussé, donc il est pas mort et il est revenu pour te pousser toi. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Explique. Ton sac, il est là. Ouais, bah tu vas le vider de toute façon. Prends ce qu'il y a dedans. Ouais, prends, je te laisse. Allez, on va au garage. Vas-y, du coup. Vas-y. Ouais, on peut aller faire un tour au garage. Hein. Du coup, moi là. Ouais. Bon, la attends, hey, faut faire un vote dans les commentaires, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait pour cette survie, les mecs? Est-ce qu'on part sur une base volante? Qu'est-ce que tu nous fais, Sofiane là?
C'est une technique pour se déplacer plus rapidement. Est-ce qu'on part sur une base volante ou une base fixe? Moi, je pense qu'on part sur la base volante, Luffy. Après, ça dépendra de... Chame-moi la vitesse où je me déplace. Chame-moi ça. Chame-moi ça. Putain, joli, GG. Chame-moi ça. Ouais, chouf. T'as vu? Ouais, GG. Par contre, la base volante, Luffy, faut qu'elle soit au moins aussi grande que le garage. Hein. Minimum. Oui. Ah bah, c'est soit on fait une base volante, soit on fait rien. Je veux dire... On va rien faire, du coup. T'as parlé, Luffy, hein. T'as parlé. Il voit trop grand les choses, Luffy. Hein. Lui, quand tu lui dis... Je vois jamais je lui trop dis grand. Un château, c'est pas un château. C'est une villa avec 10 maisons à l'intérieur. Non. C'est jamais trop grand pour les abonnés. Vas-y, mon gars, vas-y. Aide-moi, Sofiane. Voilà, mon grand. Aide-moi. C'est maintenant, mon grand. Vas-y. Protège-moi. Donne-moi un peu de ressort. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, joli. Voilà, bien joli. Joué, ça. Ça, bien c'est joué. Beau, ça. C'est beau, ça. Fais gaffe, attends, Sofiane. Attends, mais lui, il veut toucher à mon fils. Ouais. Touche pas à mon enfant. Tu peux me ramener à la vie. Touche pas à ma chair. C'est bon. Je suis fatigué. Je sais pas si je peux te ramener à la vie. On peut pas les ramener à la vie pas, Ah, mais pas un sandwich, chaud, c'est vrai. Ah oui, tu te souviens pas trop. Tu te rappelles pas les grands sandwichs que t'avais mis dans la bouche la dernière fois? C'est moi, gros, qui va te mettre des gros sandwichs dans la bouche. C'est moi, je vais te mettre des gros sandwichs dans la bouche. T'as bien, de toute façon, toi. Déjà, viens ici que je t'allaite un peu, là, que je te donne la tétée, là. Bah, j'ai plus de nourriture, j'ai faim. Ouais, bah. J'ai faim, tu vois pas que je suis anorexique, là. Tu vois pas que j'ai la peau sur les os. Mais il reste plein de coffres, hein. Vous passez à côté de tous les coffres. Moi, je me régale. Hein. Va falloir que je donne encore la tétée. Luffy, tu sais quoi, toi, t'es notre opérateur de prod. Ouais, nous, bien sûr. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Le consommateur principal surtout. Ouais, voilà. Regarde, il y a plein de trucs ici, les mecs là. Toi, tu vas être celui qui travaille dans le BTP. Nous, on va être les architectes. Luffy, c'est le technicien. Voilà. Luffy, il est technicien quand même. Hein. Et nous, on est architectes. On choisit comment c'est, etc. T'as récupéré mon stuff? Ouais, j'ai tout récupéré. Là, toi, tu prends tout, toi. Toi, t'as pas d'état d'âme, toi. J'ai tout goulé. Cadavre ou pas cadavre, tu me fouilles. Hein. Je fouille. On m'appelle le rat. C'est bien, ça. Moi, j'aime bien. Moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans le coin, là? Ah, souvenez-vous aussi, le coton. Coton aussi. Souvenez-vous. Coton. Dès le début, sinon on va passer des épisodes. Souvenez-vous aussi les arbres. Souvenez-vous les arbres aussi. Les arbres. Oh, regarde, je prends du bois, mon fils. Enfin, par contre, la quête du coton, je sais que c'est chaud déjà. Bah, je pense que je vais partir au pire en chercher après, très vite. Après, t'es un gamer, Nathan, tu vois. Ouais. Déjà, moi je dis qu'on devrait aller au garage, les mecs. Ouais. Mais là, c'est pour les gamers. J'ai quand même pas mal de trucs. Hein. J'ai un peu de ferraille et tout. J'ai 90 ferrailles déjà. Une feuille blanche, un ticket de métro, une bouteille d'eau. Francis, t'es où? Je mets ça où, là? Hein? Ouais, c'est... Ça où, là? Eh ben, tu le raffines. Raffine-le. Je mets ça où, Francis, là? là, je vais récupérer ça de... Mets-le dans ton cul pour voir. C'est fort. Objectif, premier épisode, premier véhicule, ou on fait quoi? Non, touche pas à mon doigt. Je sais pas, hein. Objectif survivre. Hein. C'est ça, la fille. Hein. L'objectif, c'est la survie. Hein. Ça, c'est facile. Par contre, j'ai pas de nourriture. Vous avez pas de nourriture et de l'eau? J'ai soif. Faudrait trouver j'ai des lèvres. J'ai les lèvres toutes secs. Ouais, faut trouver des vaches. Tu peux têter Jolat. Le maïs. Tu peux venir un peu me téter, Sofiane, mais pas tout. Hein. Ah, mais moi j'ai faim, moi. Viens pas tout téter. Hein. Goulard. Comment je bois de l'eau, du coup? Attends, bah faut trouver des vaches, mon fils. Viens, faut trouver des vaches. On peut pas avoir de l'eau normale, là? Non. Ah, bah de l'eau normale, si tu vas dans l'eau. Près du lac. Ouais. Près du lac. Mais faut qu'on aille. De toute façon, faut qu'on aille au garage. Quoi. Ouais, normalement, vous pouvez appuyer sur L. Faut qu'on aille au garage. Et vous pouvez faire un point vers... Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, j'avais oublié ça. Attends. Elle... Poum. Tiens, il y a des racailles. On va pouvoir faire du... C'est lequel? Mechanic Station. Nous, on est des racailles. Voilà, nickel. C'est la racaille. La racaille de Shanghai. Attention, oh là là, comment t'as volé, Luffy. Tu te fais un gueule, j'arrive. Ouais. Bam. Voilà, mon grand, c'est ça que je veux voir. C'est ça qu'on veut voir. Eh tiens, il y a une vache, les mecs. Une vache. Je vais donner du maïs. Ouais, tu vois, j'en ai aussi. Ça, c'est mon enfant, ça. Tu vois, c'est mon enfant. Il me ressemble, hein. Regarde. Regarde. Voilà.
Mon voilà, enfant, là quoi. Tu peux récupérer la tête. Tête, Sofiane, tête. Moi, je prends derrière. Direct à la mamelle, c'est mieux. Prends direct à la mamelle. Prends sur la mamelle. C'est plus hygiénique, de toute façon. Sofiane Sgoulard et tête directement la mamelle, normal. Non, les mamelles, elles sont au-dessus, donc ça arrange. Hein. Ouais, c'est vrai, tête qui un peu la mamelle. Et par contre, putain, t'aides pas tout, Sofiane, là. Laisse-en, gros, moi, j'ai rien, là. Ah, bah attends, je te laisse. J'ai pas une bouteille de lait, mon vieux. Ça va, c'est quoi, un peu de lait? J'ai même pas eu l'occasion d'y frôler la tétine, quoi. Vous avez déjà tout goûté, les mecs. C'est ta faute. Il a pris les quatre en même temps. Ça craint, quoi. J'ai rien pris, bon. Je m'en fous, moi, je vais aller en chercher d'autres. Allez, c'est pour moi. J'ai soif. Attends, mais moi aussi j'ai soif, gros. Laisse-moi téter, gros. J'en prends, alors j'ai même pas soif. Tiens. Quelle attends, injustice. Tiens, je mets à mon sein, tiens, bro, comme ça. Vas-y, laisse-moi téter. Mets-la sur ton sein direct. Voilà. C'est bien, mon fils. T'es mon enfant, toi. Bah ouais, ouais, je suis ton enfant, mais en attendant, j'ai rien à téter, gros. Tiens, bois ça. Voilà, ça, merci. Putain, ça fait du bien de téter un peu quand même. Ah, c'est bon, voilà. Ah, c'est bon. Pas à manger, j'ai faim, je crève de faim. Je suis revigoré là. Bah, attends, je suis la vache. Oh, mais c'est comme ça, Sofiane. Une mère, elle se doit de nourrir ses enfants. On va avoir une carotte. Allez, tête, vas-y, tête, mon fils, tête. Tiens, allez. Tu veux une carotte? Allez, vas-y, tête. En plus, c'était à moi les carottes. Ouais, vas-y, tiens, je te laisse téter. Prends une carotte. Tu peux me donner aussi mes betteraves, mes tomates? Non. Oh. Hey, c'était à moi la tomate. Oh, quand même, ça va, on va en trouver d'autres. Je te ferai des petits. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, t'es où? Wesh! Wow. Ça, c'est Nathan avec son PC de merde. Ouais! Ouais, ça a frisé. désolé. De toute façon, Nathan, il va prendre bientôt. Tu nous as dit, bientôt tu vas faire un concours des RTX, c'est ça? Ouais, bientôt. Inch'Allah. Ouais. 5 RTX achetés et la 6ème offerte. La 6ème offerte, toujours. Du coup, les gens, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Elle est où la RTX? Au prix de la RTX. Elle est où la RTX? Non. Putain, en vrai, le monde sous-marin de Scrap Mécanique, c'est stylé. Il est stylé. Mais de ouf, hein. Ouais. Mais bon, on attend toujours cette mise à jour. La sainte mise à jour, franchement. Mais jamais ils la sortiront, gros. Terminé, putain, depuis le temps qu'ils en parlent, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, ils attendent trop. Après, ouais. Toi aussi, Nathan, tu fais partie des cofondateurs de Scrap Mécanique. Ouais, de ceux qui ont aidé à développer le jeu, bien évidemment. Ouais, du coup, c'est quand la prochaine? Bah justement, on attend. Ah ah, regardez, suivez bien la chaîne. Ah ah, suivez bien la chaîne. Normalement, dans la prochaine mise à jour, on va pouvoir aller dans des cavernes et tout. Enfin, t'as vu, quoi. La terre et tout. Après, Scrap Mécanique, ils ont mis quoi? Ils ont mis 3 ans à sortir leur survie. Mais 3 ans, t'es malade, toi? Bah, ils ont mis plus que ça, gros. La survie, elle devait déjà sortir quand le jeu il est sorti. Ouais, non, bah ils ont mis presque 3 ans, donc on va dire dans 6 ans, Inch'Allah, on aura les cavernes. Dans 6 ans, Inch'Allah, on aura les cavernes. Dans 15 ans, on aura peut-être fini le jeu. Peut-être. Inch'Allah. Ouais, non, parce qu'il y aura une prochaine mise à jour. Oh les gars, j'ai acheté une voiture. Mais non. Regardez-moi la voiture de ouf que j'ai. Non, mais vous avez pas vu ma voiture. Putain, comment ça galère à traverser l'eau, mon gars. Voilà. On a des véhicules, mon gars, ouais. Non, mais de quoi il parle? Déjà, tu as un problème, c'est que tes blocs qui sont en dessous, là, ils sont fixes au sol. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, tu risques de pas aller très loin. Elle est là, mon gars. Mais non, mon gars, t'as déjà commencé. Eh ouais, t'as vu ou putain, pas. Putain, attends, bah laisse-moi contribuer, gros. Vas-y, mon laisse-moi gars, tu contribuer. Peux poser... Tu peux toucher, vas-y, t'as droit. Je te donne l'autorisation. Ma contribution. Voilà. On a déjà la calandre arrière. Ça y est. C'est bon, ça. On a juste à rajouter 5 blocs et ensuite ouais, on a fini. Bah ensuite c'est bon, mon gars. Regarde, on a déjà presque le châssis en entier là. Mais toi, t'es un gamer. Mais moi, Sofiane, mais je te l'ai déjà dit, moi, j'ai pas le temps, mon gars. Oubliez pas de dormir dans les petites maisons à côté. Ah ouais, c'est vrai. Eh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose toutes les pièces dans le garage? Est-ce qu'on se fait un stock au garage? Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, hein. C'est quoi ça, le L? Après, c'est vrai que le stock du garage, c'est un petit peu. C'est la facilité pour des gamers comme nous, mais bon. Ouais, bah. Mais bon, après, si on veut avoir un plan clair. Ouais, si on veut avoir un plan clair, ouais, c'est clair. La prise du kangourou. Allez, vas-y, là. Dégagez, là. La prise du kangourou, Dégagez, là. Vas-y, lâche-moi, gros, là. La prise du kangourou. Putain, laisse-moi le brevet. Et toi, Sofiane, vas-y, t'inquiète.
Top, tombe pas par terre, mon gars. Tombe pas par terre, mon gars. La frise du kangourou, mon gars. La frise du kangourou. La frise du kangourou, vas-y, viens. Viens, c'est quoi ça? Ah, déroule, les mecs. Vous les ramassez pas? Non, non, t'es roux de merde, là, non. Prend, tiens, prise du kangourou, prise du kangourou. La frise du kangourou. Allez. Non, les mecs, bon, hey, sérieux. Donne-moi les ressources. Pourquoi les ressources? Bah, pour qu'on construise la machine à fabriquer, là. Ouais, bah. Il nous manque 6 kits de composants et il nous manque des blocs de métal. Tiens. Non mais jette-les. Bah c'est Sofiane qui les a pris. Tu les prends dans ton inventaire et tu les jettes. Sofiane qui les a pris. Ouais, il te manque quoi là? Là il nous faudrait des blocs de métal abîmés. C'est les blocs orange. Ouais, tiens, ouais, j'en ai. Il en a. Et j'en ai. Il nous manque aussi des kits de composants, faut aller tuer des mobs. Kits de composants? Ah ouais, c'est quoi, ouais, les kits de composants? C'est les plus durs à avoir. C'est les gros carrés, ouais. Ouais. De vis dedans. Ouais. Ah bah j'en avais trouvé un mais je l'ai pas ramassé. Bah si, c'est bah pour le ramasser, Sofiane. Ah bah je savais tiens, pas moi. Ça, okay. ça, regarde, on pourrait l'adopter. Ça pourrait être notre. On pourrait l'appeler Habiba. On pourrait l'appeler Habiba. Habiba. Habiba la vache. Viens Habiba. Bon bah faut qu'on aille chercher des ressources dans les tours. On peut pas appeler tout le monde Habiba, Sofiane, c'est pas possible. Habiba, c'est déjà la prêtresse des océans. Quoi que tu me diras, elle est bien là. Arrête d'y faire peur comme ça. Tu sais que c'est péché de jeter un seau d'eau à Habiba, mon vieux. Tu vois pas la chaud, la pauvre? C'est péché, c'est vrai. Regarde la pauvre, tiens un peu d'eau. C'est vrai, elle a chaud, la pauvre. Viens, Sofiane, regarde. Ah, tiens, ça va être là-bas. Regarde, déjà, on va trouver de la nourriture pour Habiba. Précise. Et en plus, on va trouver des monstres, là. Peut-être des kits de composants et tout. Je vais boire un peu de lait. Vas-y, tête. Tête un peu. Du lait. Faut qu'on trouve des kits de composants. C'est les petits monstres verts ou c'est les monstres oranges qui donnent ça? C'est les monstres oranges. Ouais, les oranges. Ouais, les verts ils servent pas à grand chose. Si en vrai il faut des circuits imprimés donc. Oh, t'es un vrai rapace toi. Ouais, on m'appelle le rat. J'ai pas eu le temps de finir le. On m'appelle le rat des chiens. C'était déjà là. Depuis tout à l'heure, on partage tout et tout. Hein? Ça prend le maïs. Non, depuis tout à l'heure, on partage tout, y'a personne qui vole et là. Nous on est dans le partage. Moi aussi je suis dans le partage. Moi j'ai tout partagé depuis le début. Moi aussi je suis dans le partage. Dans le partage, toi? Je suis dans le partage et l'amour. Toi, t'es... Toi? Ouais. Toi? Moi, ouais. Toi? Moi, monsieur. Toi? Moi, ouais. Toi, là, t'es dans le partage, toi? Ouais, moi, je suis dans le partage, monsieur. Ouais, moi, je suis dans le partage. T'as des kits de composants, non? Ouais, c'est ça. Tiens, hé, hey, c'est quoi? Bah, c'est ça, non? Tiens, de l'eau dans tiens, la gueule. C'est un souk. Quel enfoiré, va, tu vois. Tiens, Horta. Tiens, hé! Tiens, hé! Il y a du miel là-bas. Ah, le miel, alors ça il en faut plein. Ouais, ouais, le miel il en faut plein. Bah, de toute façon, il faut plein de tout. Hein. Oui, voilà. Oh, t'aimes bien le miel, toi. Ouais, moi. Je note sur ma checklist. C'est mon miel préféré. On m'appelle le père mielleux. Ouais, le père mielard. Ouais, ouais. Aïe. Ah, fais gaffe. Aïe, je me fais la gueule. Fais gaffe. C'est bien parce que là, on a un énorme lac d'un côté et on a la mer juste. Ouais, c'est vrai qu'on. À la rigueur, on peut essayer de faire une base flottante si vous voulez. Ouais, ah ouais. Volante, ça va être compliqué, mais flottante, on peut. Qu'est-ce que vous en dites? Une base flottante, les mecs. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça, une base flottante. C'est genre même au pire hybride. Ouais. Ouais, mais de ouf. Ouais. Et à 10 000 likes, les mecs, on ligote Sofiane sous le radeau. Mais que va-t-il advenir de nos trois mécaniciens? Aurais-je les mamelles assez pleines pour allaiter Sofiane tout au long de cette aventure? Vous le saurez dans le prochain épisode de Scrap Mécanique. Bisous.